Communiqué de presse du parquet général appel à la cour d'appel de Conakry. Depuis quelques jours, des informations persistantes faisant état des cas d'enlèvement et de séquestration circulent dans la cité concernant notamment le colonel C.C. Célestin Billy Vogui, le sergent-chef Moussa Cheikh Souma, M. Oumar Silla Difounike Mangé et M. Mamadou Billo Ba. Ces informations qui affectent la sérénité nationale créent en même temps une cause et un sentiment d'insécurité au sein de la population et portent gravement atteinte à l'image de notre pays, tant sur le plan national qu'international. Cette situation préoccupe le parquet général appel à la Cour d'appel de Conakry en sa qualité de protecteur des libertés individuelles et collectives. C'est pourquoi, au regard des objectifs recherchés par les manipulateurs de tous bords, j'informe l'opinion nationale et internationale, en ma qualité de procureur général, qu'aucun organe d'enquête n'a procédé à aucune interpellation ou arrestation de qui que ce soit. Mieux, aucun établissement pénitentiaire du pays ne détient ces personnes faisant objet d'enlèvement. Ainsi, sur le fondement des attributions qui sont devenues au parquet général, par les dispositions de l'article 41 suivant du Code de procédure pénale, des instructions ont été données aux différents parquets d'instance de Conakry à l'effet d'ouvrir des enquêtes minutieuses et complètes sur ces faits et nous tenir informés en temps réel de l'évolution de la procédure. Dans le même élan, les services de police judiciaire sont à pied d'œuvre pour rechercher les personnes enlevées, identifier et interpeller les présumés auteurs de ces faits. Pour ce faire, le parquet général invite tout individu, toute autorité constituée, tout fonctionnaire civil ou militaire, de fournir tout renseignement dont il dispose, susceptible de faire évoluer la procédure aux différents parquets et aux services de police judiciaire. Enfin, le parquet général exhorte la population à observer le calme et la tranquillité tout en faisant confiance en sa justice. Fait à Conakry le 17 juillet 2024, le procureur général Fallou Doumbouya.